très attachée à leur relation avec les ATSEM, qui sont le premier, elles sont, parce que c'est 99% des femmes, c'est le premier visage que voit l'enfant, c'est l'accueil, c'est la sécurité dont a besoin l'enfant. C'est un âge compliqué, entre 3 et 6 ans, un âge charnière. On parle souvent d'elles comme des secondes mamans. Ce lien, il est très fort entre les parents, l'enfant et l'ATSEM. Et donc, il faut effectivement pouvoir le renforcer, professionnaliser encore davantage ce métier, le reconnaître encore davantage que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, à la fois dans une reconnaissance financière, à la fois dans une reconnaissance de métier et à la fois dans la possibilité ensuite de carrière. Elles ont souvent dit qu'elles étaient les fonctionnaires territoriaux les plus maltraités. Elles parlent de... Alors, ce qui est souvent dit, c'est que leurs missions sont tellement diverses qu'elles se sentent un peu les bouche-trous de la maternelle. Et elles estiment également que le temps passé avec l'enfant n'est pas suffisamment valorisé. Et elles l'estiment pas à tort, je peux vous l'affirmer. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la définition du temps avec l'enfant. C'est la définition de leurs différentes missions. L'accompagnement de l'enfant en présence de l'enseignant. L'accompagnement de l'enfant en dehors, autant d'accueil, autant de sorties, comment on met en marche ou on met en cohérence l'ensemble de ces missions de manière à ce que le métier soit moins pénible. Sont-elles bien conservées ? Les éléphants sont plus bruyants que jamais. Écoutez, dit Elmer, j'ai une idée. Tout ce que tu veux, Elmer, disent les éléphants, en poursuivant leurs préparatifs. C'est ta journée.